chose d'assez incroyable. Parce que le chat-machine est sans phosphate. Bon, ok, et donc il parle, etc. Des scientifiques réalisés en France, dans des là, ont identifié le problème écologique. Attention, écoutez là. Vous pouvez faire confiance à le chat-machine sans phosphate. C'est dingue, non hein? La propreté. Vous avez pas entendu? Ouais, ok, je vous le repasse un petit coup en arrière. Je vais faire revenir en accéléré en replay. Et depuis des années. Attention, Alexandre Costume va regarder sa mise en pli, qui pourrait croire, et d'un seul coup, écoutez bien, le problème écologique lié au phosphate. Écoutez, vous pouvez faire confiance à le chat-machine sans phosphate. Oh, chat-machine, pas à le chat-machine. Vous pouvez faire confiance à le chat-machine. Vous vous rendez compte, même à la télé, même dans la publicité, près des gens qui font des fautes d'orthographe, et après on s'étonne que les jeunes foutent plus rien. Regardez, la preuve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Ça, c'est la rédaction de mon fils. Il a 7 ans. Écoutez, il a dit. Il n'y avait plus de souris dans la maison car mes parents avaient fait confiance à le chat qui les a toutes mangées. Voilà, alors dans la marge, évidemment, la maîtresse a écrit mal dit, attention à la grammaire. Résultat, il a une 9 sur 20, même pas la moyenne, et dans 6 ans, il y a le peps. Il aura pas, c'est sûr. Quand je pense que ma femme et moi, on s'est saigné au 80 pour qu'il fasse des études et que nous, on n'a même pas eu la chance de les faire, ces études. Le chat-machine, la propreté éclatante et une contribution à la protection de l'environnement. S'il pouvait protéger la langue française en plus, ça nous arrangerait.